Au milieu des années 30, Henri Cartier-Bresson se rapproche des communistes. Il est membre de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires et il travaille pour la presse communiste, le magazine Regard ou le quotidien Ce Soir, créé par Aragon. Pour Ce Soir, il va partir photographier le couronnement de George VI à Londres en 1937. Et là, Cartier-Bresson a une idée absolument extraordinaire. Il ne va pas photographier le roi qui passe dans son carrosse, il va détourner son regard pour photographier le peuple qui regarde passer le roi. C'est une image qui comporte en elle-même tout le grand Cartier-Bresson de cette époque par sa composition, sa séparation en deux niveaux, avec en premier plan un dormeur, une personne qui a probablement attendu trop longtemps pour avoir une bonne place au premier rang et qui s'est endormie. Il y a là encore un peu de la formation surréaliste de Cartier-Bresson dans cette image. Et c'est une image surtout extraordinaire par cette idée du détournement du regard. En tournant le dos au roi, en regardant le peuple, Cartier-Bresson produit une image qui, par ce retournement, est profondément révolutionnaire.